Alors Keeper, alors très différent dans ce mode Racing Plus que de par rapport au mode normal. Il commence avec, alors il commence pas avec 4 slots de pièces. Faut pas l'expliquer comme ça. Il commence avec 50 pièces, avec 2 slots de pièces, et il commence également avec Grid Skelet. Grid Skelet, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qu'on ne voit vraiment pas souvent dans le mode normal, parce que c'est un objet de secret. Ouais, c'est hyper rare. C'est hyper rare, et en fait, cet objet, toutes les 25 pièces, permet d'avoir un HP up. Donc, comme Keeper commence directement avec 50 pièces, eh bien, il a 2 HP up dès le début, donc 4 slots de pièces. Mais s'ils vont dans leur shop acheter un objet à 15, il passera directement à 3 slots de pièces s'ils n'ont pas récupéré d'autres pièces. Voilà, et s'ils reviennent à 50 pièces, ils reprendront leur cœur supplémentaire. Donc, ça varie suivant le nombre de pièces qu'ils ont. Pendant la run, ça va sûrement beaucoup bouger. Voilà. S'il y a des trucs intéressants dans leur magasin. Sinon, le perso reste à peu près le même. Hein. Sinon, le perso reste le même. Il a une autre particularité. C'est qu'il commence avec Duality. Ah, il commence avec Duality. Duality, on le voit plus souvent, c'est un objet de David Deal ou de Godroom. Oui. Et il permet à chaque fois que un Devil Deal est ouvert, d'avoir également une God Room d'ouvert. Donc vous avez le choix entre les deux. Les deux ne restent pas ouverts à chaque fois. C'est un choix. Vous choisissez entre la God Room ou le Devil Deal. Ce que vous préférez. Avec Keeper, généralement, on préfère la God Room. Parce que ça évite de perdre définitivement cette fois le slot de pièces. Et puis surtout, dans les God Room, il y a toujours des objets maintenant. Donc, avec un D6, parce qu'on est en Racing Plus, tous les personnages ont le D6. Eh bien, on peut reroll des objets de God Room et espérer trouver des trucs très intéressants, tels Sacred Art, Godhead ou The Mind. On ne citait que. Et donc, le but, c'est d'aller à Mega Satan. Alors on va de comme on veut à Mega Satan, hein, évidemment, par la Dark Room ou par le chest. Mais le but c'est de tuer Mega Satan. La coupe qui permettra de valider la race se trouve dans la salle après avoir battu Mega Satan. Et donc le but aussi c'est d'aller le plus loin le plus vite, on sait jamais, hein, sur Mega Satan ça peut mal se passer. Et surtout avec Keeper. Donc on verra bien comment il gère ça. Je vais lancer la race et il y aura le décompte qui se fera tout seul. Let's go. Et donc, alors on va voir les tactiques. J'ai en God Room, généralement quand ils auront une bombe, ils voudront bomber l'ange pour avoir un objet en plus de... Et c'est parti pour les deux. C'est parti. Et les resets, du coup. Hein, et les resets qui changent également Racing Plus. Les fast resets. À chaque fois qu'on appuie sur R, et ben ça reset tout de suite. Il n'y a pas de. Voilà, vous voyez sur QB par exemple, là ça allait très vite. Ça va vite. Et le risque par contre, c'est de reroll des salles d'items. L'autre risque, c'est la maladie du D6. Comme oui. C'est on rentre dans la salle. On ne voit pas encore l'objet qu'il y a et c'est direct reroll. Alors, Esdad, soit le tennis Sacrifice Room n'est plus autorisé. Enfin, Sacrifice Room n'est plus autorisé tout court. Voilà, la Sacrifice Room n'est plus autorisée. On peut encore utiliser le Swallow Penny, hein, il n'y a pas de contre-indication. Mais la Sacrifice Room est interdite en saison 3. Enfin, elle est interdite. La TP de la Sacrifice Room, sans envie de sacrifier des cœurs pour récupérer des objets d'Angel Room au pif. Ah, Epic Fetus chez Rokubi. Ouais, Epic Fetus chez Rokubi. Alors, Epic Fetus, Keeper commençant avec le triple shot. C'est un Epic avec 3 missiles, comme vous le voyez. C'est bien et pas bien. C'est un peu les deux. C'est que ça fait très très mal, mais pour bomber les portes par exemple, c'est plus compliqué. Il faut se méfier. Ça prend un peu plus de temps si on veut commencer à bomber les portes. Mais vous allez voir là, le boss, s'il arrête de se TP, ben, il va prendre la max. Alors... Ouais, malheureusement il s'est TP un peu. En tout cas, ça peut. Epic Fetus, c'est un très très bon objet. Ouais, de la vitesse. De la vitesse avec Keeper, c'est très très bien. Keeper qui est toujours.
qui est toujours lent, qui est toujours à 0,85 de vitesse. Donc, Alors, par contre, on va expliquer un peu où se trouvent les choses sur, sur l'écran. Donc, pour leur timer, vous verrez que leur timer est juste en dessous des stats du Found HUD à gauche. Ouais. Là, par exemple, vous voyez que Repubi à 2 minutes 03, les deux sont simultanés là. Et que vous voyez aussi tout en haut, juste en dessous des clés, il y a le symbole R+, plus la place qu'ils occupent. Donc on sait qui est premier, qui est deuxième. En l'occurrence, voilà. Pour l'instant, c'est Rokubi premier, c'est normal. c'est normal puisque Akira n'a pas commencé, sachant que la place qu'on occupe n'est donnée que quand on a terminé le premier étage. Ouais. Et Rokubi qui n'est pas allé voir sa salle d'objets, il me semble. Alors, en a-t-il vraiment besoin? Par contre, est-ce qu'il a été voir son shop? Il a été voir son shop. Alors, un Void, c'est une mauvaise nouvelle. Il a reroll un peu vite, je trouve. Un peu. Surtout pour avoir un wafer qui ne sert à rien. Mais il a pas essayé. Ah, alors, Polyphemus avec Keeper, c'est audacieux. Ah, c'est une bonne idée sur le papier, dirons-nous. Sur le papier, c'est une bonne idée, mais malheureusement... Mais dans les faits... Ça cumule avec le problème du tier rate. Voilà, parce que généralement... Alors, ah, voilà, il y a la Piggy Bank voilà. Chez Akira, quand même. Et la Piggy Bank. Un Joker avec la brime qui coûte un peu cher, mais je comprends qu'il la prenne. Hein. Ça coûte un peu cher, va falloir reprendre des pièces. Oh là 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 là, non mais ça coûte cher, mais ça va être tellement long à charger, surtout. Par contre, ouais, mais ça va faire très très mal. Par contre, attention, attention, il a 28 pièces. S'il descend en dessous des 25 pièces, il est mort. Ouais. Oui. ouais, faut pas oublier ça. Hein. Ouais, oh, c'est long à charger, mon dieu. C'est tellement long à charger. Et Magic Mush du côté de Shirokubi. Ah bah il est peinard. Build costaud là, avec un bouquin. Et le problème c'est ça, c'est que quand il y a des salles où il est obligé de charger deux fois sa prime, là, ça va être, ça va être super très... long, Akira. Bon, je pense que le boss il va prendre très très cher. Enfin, s'il arrive à viser le boss un jour au lieu de la boule. Ah, voilà, il reset, c'est beau trop l'emmerdement. Parce que, alors, on va... Pourquoi Polyphemus avec Keeper, c'est une fausse bonne idée? Généralement, avec Polyphemus, le tir délai, je vais dire ça comme ça, avec le triple shot ne s'accumule pas. Ouais. Le problème de Keeper, c'est qu'il n'a pas le triple shot C'est passif, c'est vraiment... C'est un truc passif, c'est un item passif, donc il n'a pas le triple shot dans son item tracker. C'est ça. Et donc, bah, ça se cumule. Il n'y a qu'avec lui que ça se cumule. Et du coup, Polyphemus Keeper, et bah, c'est vraiment pas super bien à cause de ça, justement. En tout cas, je fais une aparté. Effectivement, c'est bien des histos au tracker. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. je crois. Je sais pas pourquoi. Il a reroll le couteau. Il a reroll le couteau. Ah, la maladie du D6. Voilà, et c'est vrai qu'Akira, voilà, là, il a dû voir qu'il avait reroll le couteau du coup. Ah, c'est Cricket Sed, ouais, c'est cool. Cricket Sed, bah, il va partir avec le Cricket Sed. Ouais. Oh. Ça, c'est mon goût personnel. Je trouve que le couteau, c'est le meilleur starter avec Keeper. Oh, c'est très très bien, on est d'accord. Couteau Keeper, c'est très très fort. Je trouve que c'est mieux Tech XP. Et Rokubi qui a une Empereur. Oh. Bah, l'Empereur, c'est bien. Du coup, vu que c'est Méga Satan, il l'utilisera certainement soit en cathédrale, soit à Sheol, hein, suivant ce qu'il décide de faire. Mais effectivement, hein, il n'a pas besoin de son empereur pour le chest, vu qu'il rentre dans le chest, la salle est directement là. Donc, on va s'emmerder à faire le tour du chest pour faire le tour du chest. Hein. Mm. Donc il est très très bien là, Rokubi. Et puis bah, Akira, bah, il avance. Il commence à avancer, enfin, dirons-nous. Et bon, ça fait mal, hein. Ah oui, Cricket Set, Keeper. Ça, c'est de la merde, mais. Et ça aussi. Bon, bah, tant pis. Et l'arme spectrale, bon, bah.
Et Rokubi qui arrive déjà face à un bot, Et il l'a attention, mais le défoncé. bot qui se fait exploser. Ah, il vient de bomber l'ange. L'ange, il va passer un Ah, sale ça y quart est. d'heure. Il a Et passé un bombe sale quart d'heure. l'ange. Une batterie, ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. L'ange qui a Une laissé une batterie batterie. comme ça. Bon, bah, le vol, Holy Grail. Et puis, bon, bah, la relique qui fera des mouches de temps en temps. Voilà, c'est ça. C'est une mouche toutes les quatre salles. Hein. Donc. Il aurait pu prendre Magiska pour le luck-up, quand même, peut-être. Ouais, il est déjà à zéro de luck, hein, Ouais. Rokui. Il est remonté à 70 pièces, il est pas loin de récupérer un réceptacle aussi, hein, s'il continue à monter ses cœurs. Ouais, alors que Kakira, lui, il est à 25 pièces. Donc, alors le charge baby qui frise les ennemis. Ouais, c'est un de ses effets. Peut aussi recharger l'objet actif. En l'occurrence, D6. Oh Et là, donc un attention, monstre. Rokubi, c'est. Akari s'est fait toucher, hein, donc on voit son pourcentage de D-Deal à 36, c'est pas beaucoup. Oh, cette salle est pas cool pour Kubi, mais ça va. Alors, il va y avoir son shop, la Jar of Flies Le Crook-Penny ou Jar of Crookpenny, Flies, qu'est-ce bof, qu'il mais. va La Jar of Flies, choisir? c'est intéressant, hein, ça peut être cool, hein. Ouais, c'est intéressant la Jar of Flies. Il hésite, il Il hésite, il hésite, il hésite. hésite, il hésite. Ah, j'ai envie de dire, démerde-toi, hein. Ah bah, fais ce que tu veux et il ne prend pas. Et finalement, il retourne dans son shop. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il attend de voir ce qu'on dit, hein. Exactement, C'est c'est pour pour ça ça que j'ai dit que. démerde-toi. Voilà. Et Rokubi qui attend, voilà, il est devant Mom. Bon, maintenant qu'il est à Une sa Mom môme, on peut bleue. le dire, hein. Moi je l'aurais pris. Moi j'aurais pris aussi, hein. Je pense que c'est une connerie de pas avoir pris la Jar of Flies, mais. Mais bon. Alors qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre le Polaroid, va aller voir son boss rush. Il va voir Rien son boss rush. d'intéressant. Il reroll pas. Alors, plus reroll son boss rush. Et Rokubi qui va sans bombe. Ouais. Alors que Akira est en cave 2 et que son build est pas joli joli. Non, 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 le build s'est pas amélioré depuis la Cricket 7 finalement. Il y a les lames spectrales, mais c'est pas ouf. Oh non. Alors Ace of Hearts, j'ai fait Delirium Keeper comme ça. Avec l'Ace of Hearts. Ace of Hearts Blank Card. Hein. Ouais, il droppait tant de trucs que ça. Ben non, mais en fait, dans la salle d'avant, j'ai trouvé. En fait, j'avais les Glitter Bombs. Ah oui, bah oui, forcément, dans ces cas-là, je comprends mieux. Non, parce que comme ça, le Ace Oui, of comme Hearts, ça. bon. Comme ça, voilà. Sauf que j'avais Glitter Bombs et Docteur Fœtus. Oui, d'accord, C'était très drôle. forcément, forcément. J'ai fait planter le jeu 3 ou 4 fois. Il n'a pas supporté le passage en mouche. Rokubi qui est dans son bomb one alors que Akira est dans ses boss de Kev's One. Okubi regarde pas la map, pourquoi? Je sais pas. Rokubi Ah face à oui, il a dû un. aller, il a été dans une salle où c'était sûr que c'était un cul-de-sac. Et Effectivement. Rokubi qui est à 5 pièces, 5 salopes de pièces maintenant. Alors Akira qui essaie de buter un ange et autant vous le Et dire, qui, attention, c'est attention chaud. Akira. Oh là 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 là, c'est pas l'assurance vie, Oh hein. là 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 là. Qu'est-ce qu'il a pris d'ailleurs? Il a pris un objet. Il a pris le halo. Et il a Il a pris le récupéré. halo, c'est reroll et glyph of balance. Ouais, bah c'est nul, hein. C'est pas ouf. Alors, et donc Rokubi contre son boss, hein. Comment il s'appelle déjà lui? C'est la forme, une autre forme de Daddy's Long Leg, C'est je sais plus comment il ça, s'appelle. je sais plus son nom, tu vois. Il a pris Halo plutôt que Crown of Light. Ah oui, quand même. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Alors, oui, bah, toujours autant de différences. Un Rokubi qui peut avancer très très vite Oh grâce à son épique. oui. C'est ça. Ouais, Rokubi qui pourrait finir en. Là, s'il se dépêche, ouais, ça va peut-être prendre un peu de temps de tuer Mega Satan quand même. Puis il faudra le Ouais, buter surtout.
Voilà, le problème du triple Epiclétus, on vient de le voir, c'est que le premier missile tombe, on va pour se diriger vers la porte afin de sortir de la salle, et il y a les deux autres qui tombent, Il et là cherche c'est une bon. pièce recueillie. Ouais. Et il en trouve plein. Voilà. Bien, c'est Il est qu'il bien. pouvait aller dans le lit, ça faisait la même chose. Moi, je dis ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'il veut maximiser ses pièces. Je crois qu'à 99, t'as un cœur en plus. À 99 Ouais, peut-être. il me semble. Ouais, voilà. Peut-être. Il a un cœur en plus à 99. Ouais, C'est du coup ça il que a 6 voilà, slots. il voulait assurer le nombre de cœurs. Je pense peut-être pour Méga Satan, il prévoit. Bon, par contre, faudra éviter de se faire trop toucher. C'est bien d'avoir 6 slots, faut qu'ils soient remplis. Ce serait mieux. Et malgré le fait qu'il soit fait toucher dans son étage, il a 80% de chance de débit de deal. Donc c'est quand même bien. C'est pas mal, 80. C'est ce qu'il a autour d'ailleurs. Ben, il a bombé marchand, il a Ah oui, c'est bombé vrai. Ouais, quand les même, 80, mendiants. c'est beaucoup. Ben, les mendiants, ça fait beaucoup. Oh là là, c'est quoi cet Angel Room chez Akira? Ah, oh, ça C'est donne pas fait tellement. mal. Non, mais ça donne tellement envie de bomber les anges pour. Mais. Ah bah oui. Ah! Mais pourquoi il prend la mitre? Il avait rien à prendre et il a pris la mitre. Si, à la limite, il y avait la Celtic Cross, ça donne une protection, mais ouais. Et Rocky Alors, Bien Cathédrale, un petit coup Rocky d'empereur, Bien hein, Cathédrale, évidemment. empereur, j'ai cru qu'il allait pas le faire. Ouais, moi aussi, je me suis demandé ce Hein. qu'il faisait. Je suis demandé, est-ce qu'il va forcer à utiliser son empereur? Ah, il s'est fait toucher, attention. Il s'est fait toucher. Ah, attention. Ah, le problème pour lui maintenant, ça va être peut-être de récupérer des pièces pour être full vie pour son méga Satan. Là, il décide d'aller quand même dans son chest. Vous voyez que la porte est ouverte. Ouais. Il va bomber. Est-ce qu'il va piffer les pilules? Infested. Balls Il of piffe les Steel, peu pilules. importe. Pretty Fly. Hero Roll. Ouh, ça te bombe, c'est sexy. Hein. Ah bah ça te La bombe, ouais. vitesse. Bon, ça, peu Bad importe. Birds, Par contre, il y va avec la ses trois vitesse. pièces uniquement. Hein. Ouais. Il y va avec ses trois pièces. Et ben, il n'y en a plus que deux. Attention, Attention, attention. Je attention. sais pas s'il aurait pas dû quand même essayer d'avoir la full vie. J'espère que ça va pas lui porter préjudice. En tout En tout cas, cas, il est sur 14 minutes, son. méga Satan. Ouais, c'est pas C'est mal. rapide, hein. Oui, c'est rapide. C'est très très bien. Correct. Il a battu les cavaliers. Ouais. Maintenant, c'est au tour de Mega Envy. Ouais, C'est mais au là, tour des. c'est les vagues les plus chiantes qui arrivent là. Ouais, les quatre. C'est quand les Les quatre de suite spawn. quatre péchés là, c'est pas terrible. Pendant que Akira il est mort ou il a reset, je ne sais pas. Oh, un Il a Rocky Bill reset. n'a plus Il a qu'une reset. vie, plus qu'un Oh là là, cœur. attention, plus qu'une pièce pour Oculi. Il y en a une au sol, attention, mais fais pas le fou. Et il l'a Ouais, prise, c'est bon. il l'a prise. Et Alors, les l'ange, oh, anges. C'est les anges parti ils pour prennent les cher quand anges. même, ça va, c'est Mais cool. ouais, les boss prennent très très Ouais, cher. donc ça Et c'est Méga bien. Sat Il et devrait Méga pas avoir trop de Satan. problèmes sur Méga Satan, j'espère. Oh, Bah, ce je Méga pense que Satan qui a maintenant c'est spawn bon. des connards, ça c'est pas cool. Oh, Il s'est fait alors toucher. c'est. Alors ça c'est super pas cool ce qui vient d'arriver Alors à là, Rokumi. non, là c'est. Alors là franchement c'est dégueulasse ce qui vient d'arriver. Hein. On va pas se mentir, c'est vraiment dégueulasse ce qui vient de lui arriver. Hein. Alors que Akira vient de trouver un Attack X. Oh Ah, Rokumi. c'est Ah c'est la super pas mort. cool. Et c'est la mort de Ah, Rokumi c'est la sur mort de Méga Satan, Rokubi. bah il faut relancer. Et du coup rien n'est Et il faut fait. relancer. 15 minutes, Akira a un TKX, tout est faisable. Akira, des choix un peu moins émergents au niveau des God Room. C'est vraiment possible de revenir. Alors là, clairement. Et par contre, Kubi, il va certainement regretter méchamment de pas s'être mis full vie, quoi. Il aurait eu ses 6 pièces, ça passait, quoi. C'est sûr que ça passait avec ses 6 pièces, ses 6 slots. Hein. Et Akira qui se fait toucher Ouais. dans les pics, c'est dommage. C'est vrai. Bon, ça, c'est le premier étage. Non, Ça. c'est le deuxième. Le deuxième. Remarquez d'ailleurs qu'Akira est premier. C'est marqué, du coup. Ah Et bah, il du a coup, quand il est même une Angel premier. Room avec le Holy Mantle. Je pense qu'il va peut-être le prendre. Oui, il va le prendre. Il va le Il va prendre. bomber l'ange. Bon, ouais, c'est mieux à Je faire. pense que c'est une bonne idée.
Ouais, c'est mieux à faire de prendre le Holy Mantle, ça safe-ease quand même vachement la run. Oh que oui. Avec un Tech X. Surtout là, faut se taper l'ange rouge et c'est pas le plus cool. Loin de là. Mais Akira qui charge beaucoup son Tech X, je comprends pas pourquoi il le charge autant. Hein. Full charge à chaque fois, ça sert à rien. Hein. Tu peux le balancer puis, avant. C'est très long. Mais très, lance-le très long, avant ton putain de Tech X. Et Rokubi qui est reparti avec une cricket. Et le Wafer qui ne sert à rien. Il a utilisé The Sun au pif, c'est bien joué. Hein. Non mais merde quoi. Et les pots. C'est pas grave. En tout cas il avance et là maintenant il a un Holy Mantle. Il charge beaucoup trop son TX. Hein. Et il est au cave. Je répète, il est au cave. Ceci n'est pas un message subliminal. Je répète, Akira vient de trouver le cave. Allô, message à la régie. oui, non, mais dis ça, c'est vrai, ça vient d'être fait. Alors, Rokubi qui est contre un ange, du coup, qui veut reroll deux objets, j'imagine, hein, parce que le Void, ça n'intéresse pas. Et il récupère Lazarus Rags, et puis, bah, Seraphim. C'est pas terrible, mais au moins s'il meurt, il revient en Lazarus. Ouais. Ce qui serait pas forcément une bonne nouvelle. Non, pas forcément. Akira, qui dans son item room avait la Datsuki, qu'il a choisi de ne pas prendre. Oui, bon. Pourquoi faire, j'ai envie de dire. Oh, la Datsuki, ça peut être cool. Ça peut être cool, mais face à un D6, aussitôt dans la run. Ouais, c'est un petit peu tôt. Rokubi qui avance dans les deux joueurs qui sont en cave. Rokubi qui a un build certainement beaucoup moins bon qu'Akira. Ouais, c'est sûr, même si Akira devra trouver quand même du tears ou du damage up. Mais de toute façon, il faut trouver de l'amélioration. Même TechX doit avoir de l'amélioration. Oh, bah surtout sur Keeper en fait. Le tear rate est assez dégueulasse. Hein. Triple shot permet de clear pas mal de trucs, mais sur un boss comme ça, par exemple, ça fait mal, mais... Ouais. Heureusement qu'il a eu un peu de vitesse, il va pouvoir esquiver, voilà. Ouais. Heureusement... Ah, encore de la vitesse. Et heureusement qu'il a du Holy Mantle, de la vitesse il encore. Il le prend. Il prend The Belt. C'est une bonne idée, être à 1,45 de vitesse, c'est plutôt cool. Alors, Undefined pour Rokubi. Undefined pour Rokubi, ben, ouais. Je pense qu'il va le prendre. Et il le fait, et il a une... Une Nightmare Mirror Room. Avec plein de clés. Et il bourre le mendiant des clés qui lui donne un coffre avec une bombe. Merci. merci, je peux bomber Nightmare Mirror et me barrer bien déçu. Ah, la Sac Dague, il est très très bien. Belle protection la Sac Dagger. Sac Dague plus Holy Mantle, c'est extrêmement bien. Ouais. Alors, une pièce Luck Up. Il prend la carte The Devil. Rokubi qui est toujours second, oui, d'accord, pardon. Marqué. Ouais, c'est marqué la page. Oh, je savais plus. J'avais oublié qu'Akira avait avancé. En tout cas, les deux joueurs qui doivent pas traîner, hein, parce que ils ont 10 minutes pour terminer. Et pour battre surtout Omega Satan et prendre la coupe. Hein. Ouais, c'est. Mais je pense que Holy Mantle, Sac Dague, ça peut faire une différence. Il y a une nouvelle commande pour les nouvelles règles. Il y a une vidéo YouTube. Il y a une vidéo YouTube que faudrait que je link quelque part. Il donne les nouvelles règles. Ça, elle est pas mal la vidéo. Ah oui. Elle est claire. Ouais. T'as vu, je te rends hommage. Ouais, c'était un vrai hommage, c'était pas de la moquerie quand je l'ai dit. Oui, j'ai cru que c'était... T'as cru que c'était de la moquerie quand je l'ai dit. Ouais, j'ai cru que c'était pour le timer ou des choses comme ça, et puis après j'ai vu que non, c'était... Alors, c'était pour le double trouble. Akira qui décide de prendre Little Chat parce que c'est une connerie. Parce que ça fait des mouches. Ouais, c'est ce que je disais, parce que c'est une connerie. Alors qu'il aurait pu le reroll et avoir un truc bien, hein. Son D6 était chargé, hein.
Est-ce que Akira doit battre Méga Satan? Bah oui. Oui, Akira doit battre Méga Satan s'il ne. Là. Honnêtement, s'il ne bat pas Méga Satan, c'est Rokubi qui a gagné. Même s'il le voit. Hein. Il prend le Ghost Baby aussi. Akira, il fait des choix bizarres au niveau des objets quand même. Hein. C'est Même regardé. si Akira est marqué premier sur son écran, la règle du plus loin le plus vite reste valable. Oui. Donc, Rokubi étant allé plus vite et étant mort à Mega Satan, eh ben Akira doit juste battre Mega C'est Satan ça. pour gagner. S'il pouvait prendre la coupe en même temps. Piggy bank. Piggy Bank que Rokubi va prendre. Ouais, bah oui. Et un cavalier pour Akira. Pas War. Et donc il y aura soit le Cube of Meat, soit la Ball of Bandage. C'est ça. Dont il se contrefout, certainement. Bah Ayant maintenant qu'il déjà a la le sac Immortal un dagger. petit peu. Alors, s'il prend un des deux objets, je le défonce. Bon, bah, il va prendre. Alors, après, il prend Sword Mais pourquoi il Protecteur, a peu pas rire? importe. Mais Pourquoi il a pas pourquoi bombé il. le mât? Ah là 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 là. Il y a. Ça manque, ça manque, ça manque. Non, mais après, il y a pas forcément des réflexes de racing. Hein. Ouais, c'est ça, il faut les réflexes du Racing Plus. Faut bomber l'ange, hein, clairement. Hein. L'ange, ça fera toujours un objet de plus à reroll, même si ça fait peut-être perdre du temps, le temps de le tuer. Si tu tombes sur Sacred Heart ou Godhead, enfin Sacred Heart surtout, parce que Godhead ça ferait juste du tir au Ming. Ouais, ce serait déjà pas mal avec tes C'est vrai, kicks, tes kicks au Ming c'est très bien, oui, mais. c'est super puissant. Après, Sacred Heart fait du homing Et des dégâts. également, donc Des dégâts et du oui. shot speed down. Voilà. C'est la fête jusqu'au bout, hein, honnêtement. Hein. Tes kicks, comment dire, Sacred Heart, c'est la fête à la saucisse. Hein. Ah, Piggy Bank. Eh ben non. Mais Bien. Akira, il a déjà dépensé énormément de Ah, la pognon. boussole. Très bien ça. Et The Et la Sun, boussole qu'il va prendre. qui sert pas à grand chose. Là, oui, il prend le mapping. The Devil qu'il reprend. Bah, il fait son marché. Hein. Il a un autre The Sun, je crois. Ouais, il a un autre The Ouais. Sun. Il a Après, un autre The Sun, ce sera pour sa ça lui cathédrale. donnera le full mapping plutôt que d'avoir un mapping partiel avec la boussole. Seul qui Ouais. peut troller hein, au niveau du mapping. Et attention, Akira qui a encore dépensé, il est plus qu'à 20 pièces, hein, donc. Ouais, mais il a Holy Mantle. Donc c'est comme s'il avait 3 cœurs. Oui. Donc tout va bien, honnêtement. Voilà, et puis en plus, s'il se fait toucher dans ce Holy Mantle, il ne perd pas ses chances d'Angel Room ou de Devil Deal. Ce C'est qui est vrai. quand même un sacré avantage. En plus, avec la sac dagger, il peut bourrer un peu plus tranquillement. Ouais. Et il est à Mom. Et même, ouais, il va Normal. rester un peu plus de, un peu moins de 5 minutes Il pour va arriver falloir qu'il se jusqu'à dépêche quand même. battre. Hein. Ouais, il va falloir Va se vraiment dépêcher. falloir se dépêcher Akira hein, parce que. Il va quand même voir son boss rush, il n'y avait rien. Ah, et là, il Et va là, il essayer est de à se Womba. diriger Hein. du bon côté. Il est Womb 1. Il a 3 étages à finir. Que dire de plus sinon que bah dépêche-toi, Akira, t'as pas le temps. Il a Il quand peut même se eu dé... 0 damage up, 0 tears up, hein, je crois, depuis le début. Hein. Ben, c'est... Oui, c'est ça, ouais. Heureusement que c'était Kix, hein, et la sac d'ag. Il a eu la sac d'ag quand même. Sac d'ag Holy Mantle, c'est quand même un très très bon Ouais, combo. s'il arrive comme ça sur Mega Satan, ça va pas être drôle, hein. Ah non, ça va... Il va pas rigoler. Ah non, ça. Alors, Mamagurdi, attention au pic. Voilà, attention à la Il gerboise. a évité les pics, alors que Il. la moving... Non, c'est pas la moving box, ça, Non, c'est... ça c'est la présente machin. Alors, Squeezie c'est cool, du tier rate enfin, mais c'est pas beaucoup, malheureusement. C'est un léger tier up pour le coup. Juste Ouais, 3. Squeezie qui est un des plus mauvais tiers up qui est en reward de boss. Bah, bon, c'est déjà ça de prix. Et il avance, hein. Du coup ça avance vite, hein. Son bomb 1 était clear en 1 minute à peine. Ouais. Et Squeezie qui du coup devient le plus mauvais tier up parce que avec les autres personnages au moins il y a deux cœurs bleus. Oui, Mais là, avec là il y a Keeper, des il y mouches. a là il y a des mouches. Donc il y a vraiment pas grand chose finalement avec Squeezie pour qui
Squeezie avec qui peut. Bref, vous avez... Voilà. Et Akira qui se dirige vers sa salle de boss. Qui avance, c'est plutôt peinard pour le moment. On va voir comment il va gérer son Hit Leaves. Il utilise son The Sun parce que pourquoi pas, après tout, ça sert à rien. Ça fait deux fois. Hein. Ça fait deux fois qu'il utilise The Sun. Pourquoi faire ça? Il utilise bien sa sac dagger, ça c'était bien. Ouais, bah il est à mob. Hein. Ouais, Itli et cathédrale pour Akira. Cathédrale pour Akira. Oh, il lui reste 3 minutes pour clear sa cathédrale et tuer Mega Satan. Il y a peu de chances qu'il y arrive, clairement. Parce que Mega Satan, c'est long. Il a utilisé son Undefine qui l'a emmené dans la secrète. Pas mal. Bill essaie d'avancer comme il peut, mais alors son build Il a eu que la cricket set. Il n'est pas fameux, hein. Il n'y a que la cricket set du côté de Shirokumi. Kira qui progresse vers son Isaac. Moi, honnêtement, quand je vois le temps, je me dis que pour tuer Mega Satan, ça va être trop court. Ouais, il reste Isaac encore. Isaac, ça devrait pas être si long que ça. Kubik a toutes les IAM Error de l'univers. Bah, au moins. Après, il peut bourrer à l'infini son Undefine, hein, il s'en fout. Enfin, non, il s'en fout pas là, pour le coup, s'il a le Halo, c'est la merde. S'il a pas le Halo, c'est la merde. Ah non, il peut bourrer l'Undefine en HR. Ouais, super. Quoi, ouais, super. Il a intérêt de récupérer. La bonne salle à Sheol dans ces cas-là, c'est sinon. Bah, il faut qu'il ait l'Error Room à Sheol, mais voilà. Ouais. C'est chaud, hein. Ah oui, non, mais je dis pas. C'est Gamble Time, hein. Là, oui, c'est totalement alors, Gamble Time. Et donc, du coup, Akira qui n'a plus qu'une pièce, hein. attention. Kiriroll, prend le Charm of the Vampire, ça marche, hein. Et il a qu'une pièce, mais il a un Elemental, et il lui reste. Une minute pour tuer Mega Satan. Spoiler, ça marchera pas. Ça va être difficile. Spoiler, ça suffira pas. Ça va être très très difficile. Sachant qu'il lui faut plusieurs techniques. Ça passera jamais. Plusieurs lasers pour. Ça pour ne faire, passera jamais. Mais. Il fait vraiment pas assez de dégâts. Il a le TechX du pauvre quand même. Ouais. Il a le TechX du pauvre. Puis il a perdu du temps aussi, hein. En chemin. Perdu du temps, fait des choix plutôt bizarres. Ouais, mais RQB, il est où? Il a 22. Qui se TP à l'infini. Akira qui est mort. Akira qui est décédé, voilà. Voilà. Bah, 13-20 secondes. Je pense que la messe est dite. La race va se terminer de toute façon. La messe est dite, Rokuli va remporter pour la race, oui, car il aura été voilà. Le premier à Mega Satan. Alors, je sais pas, va falloir que je ferme la gueule de l'annonceur, moi, par contre. vu qu'il annonce avec le décalage, il est en avance. C'est pas beau, hein, la race, 3 forfaits, c'est moche. Pour moi, c'est normal, mais les autres... On va pas se mentir, c'est pas la meilleure race pour, pour démarrer la saison 3. C'est sûr. Allez, je vais les démute. Allô, Keeper, y'a pire, quoi. Ouais. Oui. Eh bah, GG Rokibi, t'as été le plus loin le plus vite. Mais pourquoi t'as pas rempli tes 6 cœurs? Je voulais pas faire d'autres salles, j'avais peur de perdre plus de cœurs que ce que j'ai. Ouais, mais ça valait peut-être le coup, quoi. Je suis pas sûr d'avoir des pièces dans le chest, hein. Ouais, non, mais t'aurais pu faire des salles en plus dans la cathédrale avant de partir, quoi. C'était moins risqué. J'ai pensé trop tard. Dans la cathédrale, t'aurais pu backdash un peu histoire de retrouver une ou deux pièces. Ça serait passé, hein. Ça serait passé si t'avais été full. Bah, si j'avais les 6 pièces, ça passait vu que j'en ai une qui avait droppé. Ouais. Du coup, t'avais 7 pièces. Ouais, non, mais t'étais avec full vie, ça passait, mais ouais. Par contre, j'aurais bien aimé Piggy Bank avant déjà. Ouais, oui. Ça aurait été pas mal. Bank, t'aurais été tranquille aussi, ouais. Ou soit le Penny, hein, soit le Penny, c'est la fête. Ou la Zero Strike, hein, sur le coup, j'étais content aussi. C'est pas terrible, hein. Tu reviens à la Zero Strike, t'es pas content de ton DPS, hein. Ouais. T'es pas content de ton DPS, hein, la Zero Strike.
Mais je reviens au moins. Par rapport à Killer. Ouais, mais au moins, voilà, t'as une résurrection et puis. C'est ça. Parce qu'il lui restait, un ou deux coups à Mega Satan pour tomber. Ouais, il manquait pas grand chose, hein, clairement. Mais il était assez dégueulasse, hein, quand même. Ah oui, parce que il te spawn direct deux trucs alors que t'as rien demandé, ça c'était assez dégueulasse. Hein. Et alors que le DPS était bon, du coup, ouais. Il aurait pas vraiment dû. Oui, j'ai pas trop compris pourquoi il a spawn. Surtout qu'il y en a un qui t'a fait perdre justement de la vie puisqu'il t'a balancé des troll bombes. C'était assez dégueulasse, mais bon. Bah, et à la fin, au niveau de ses flammes, bah, je commence à esquiver, je me mets dans le coin et il y a Et puis tu t'es éteint comme une flamme. Quoi. C'est ça. Ah bravo. Ah, putain, il l'a même pas vu venir. Ah non. Il l'a même pas vu venir. C'est tellement pas. C'est cool, Titis. Et du coup, relink la vidéo YouTube. Après non, j'arrêtais pas de me demander s'il fallait du coup que je finisse Mega Satan ou s'il fallait juste que je dépasse Akira. Je savais plus. Ah non, ça a pas changé, hein. C'est toujours le plus loin, le plus vite. Hein. Ouais, donc ça. C'est ça. Bah non, mais la première race, moi de toute façon, clairement j'ai fait n'importe quoi. Ah, mais la deuxième aussi. La deuxième. Non, la deuxième. Ah, mais tes Angel Room, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Non, la deuxième, c'était juste. Il restait que 10 minutes. Non, mais t'as quand même fait n'importe quoi dans tes Angel Room. Bah, de toute façon, je pouvais pas tellement les reroll que ça. J'avais pas plus de batterie que ça. Le peu de fois, j'ai reroll, de toute façon, j'ai reroll pour ta merde. T'as quand même pris Little Chad. Ouais, Little Chad, c'était pour avoir du cœur. Oh, mais merde, reroll-le. Il te fallait des dégâts. Mais derrière, j'ai pas eu de batterie, donc si jamais j'avais autre chose, j'étais niqué. Mais tu changeais d'étage. Ouais. Tu changeais d'étage, ouais. T'avais la 9 volts, ouais, t'avais besoin que de 5 charges sur ton putain de D6. Ouais. Quand même. Eh, si Chad, à la place de Chad, t'avais eu grosse hormone, ben t'aurais été content, hein. Ah bah oui, faut penser à ça. Vu le peu d'items bons qu'il y a eu au début. Bah oui, bah quand même. À part le Holy Mantle et le Tekis. Ah oui, mais quand je même. Je suis pas sûr que le reroll du Chad aurait changé grand chose. Honnêtement. T'en sais rien. T'as pas essayé. Alors, attends, j'ai l'acide, je vais refaire l'acide et tu vas voir. On va refaire l'acide, mais tu vas pas la faire pareil. Je suis sûr que c'est la merde. Je suis sûr que tu vas pas la faire pareil. Ah, il y a des rerolls que t'as fait bizarre. Ah, sur la première, t'as fait des rerolls. Honnêtement. Non, sur la première, j'en parle même pas. Honnêtement, pas la première, Angel Room, tu prends la mitre. Il y a trois objets et t'as un D6 chargé. J'ai eu mal, hein. J'étais pas dedans la première. Clairement. Non, mais la mitre, quand t'as la Celtic Cross et je sais plus quoi, Enfin bref. J'étais vraiment ailleurs. Eh ben, mais bon, bref, c'est pas grave. Rokubi, on va dire Rokubi, Keeper, c'est normal.